juste un petit mot sur ce match, quelle analyse tu fais? Frustrante pour ma première sélection. J'aurais préféré que l'équipe reparte avec la victoire. Mais énormément de bonheur pris et de plaisir pris sur le terrain. Et je pense que c'est le plus important, le fait d'avoir pu savourer cette première sélection, malgré le résultat. La première Marseillaise, qu'est-ce que ça fait? Tu penses à qui? Tu penses à quoi? Ben, j'ai pensé un petit peu à tout mon parcours, tout le parcours que j'ai traversé depuis petit, et du coup, un peu d'émotion, forcément. Qu'est-ce qu'il a manqué à cette équipe de France ce soir? Moi, je pense qu'on est mal rentré dans notre match au début. Après, on prend l'ascendant sur eux. Ils n'ont pas eu grand-chose sur tout le match, hein, finalement. Sur l'entièreté du match, ils n'ont pas eu grand-chose. Il y a ce premier but-là où on n'est pas dedans, et ce deuxième but où, malheureusement, je perds le ballon et ils nous punissent directement derrière. Ce qu'il faut retenir, c'est aussi le premier match contre l'Irlande, cette victoire sur le stage. Ouais. Aujourd'hui, c'était un match amical, on savait que c'était pas forcément le plus important. Le match contre l'Irlande à la maison, en plus, on arrive à sécuriser les 3 points. Mais on est plutôt bien au classement pour les qualifications de l'Euro. On aurait souhaité rester dans la dynamique de victoire qui perdure depuis un moment. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire aujourd'hui, mais sur la compétition, on est toujours dans le bon wagon.